Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la ville de Paris. Après un petit break comme vous l'avez vu avec deux vidéos de cinématiques, eh bien on est reparti. La dernière vidéo concernait un petit hub de métro et celle-ci eh bien va être bien plus grande et dense en information et en contenu. Nous allons repartir sur la banlieue sud et faire encore une fois un transilien. Eh bien cette fois-ci on va taffer sur la sortie de la gare Montparnasse. Vous vous souvenez qu'on s'était arrêté là durant l'épisode de la création de cette dernière, Gare Montparnasse. On avait fait voilà, les rails qui partaient et on s'était arrêté là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la sortie de cette gare-là? Il y a la ligne N que l'on va commencer à faire aujourd'hui. Alors cette ligne-là va avoir plusieurs épisodes dédiés sur différents penchants et parties de la ligne. Et nous, on va taffer sur la partie eh bien, qui va aller jusqu'ici. Voilà, on va essayer de créer pour cet épisode, créer en fait les rails de la ligne jusqu'à la sortie à la 86 et faire, pourquoi pas si on a le temps, on verra la partie ici déjà avec placer les bâtiments et tout ça. Donc pour cela, on se retrouve tout de suite sur Google Maps. Et avant toute chose, eh bien, nous sommes déjà sur Cartométro. On ira sur Google Earth après, hein, pas Google Maps finalement. Voilà, Cartométro, souvenez-vous, c'est l'outil que j'utilise dorénavant sur ce genre de vidéo avec des lignes de transport, tout simplement, pour avoir une meilleure visualisation des choses. Nous sommes ici à la gare Montparnasse et nous voyons eh bien, la ligne N qui va partir. Une grande ligne droite que j'ai déjà reproduite, le passage sur le périphérique. Et ensuite, une bifurcation qui va partir sur la droite. Deux gares vont être desservies. Nous, on va en desservir qu'une seule. Ensuite, ici, il va y avoir au passage du RER B à ce niveau-là. Donc, on va voir le RER B qui va passer dessous. Ensuite, d'autres gares. Et vous voyez le côté un peu serpent qui ensuite va sortir de la banlieue. Alors là, est-ce qu'elle va bien vouloir charger? Non, ok. Ici, elle charge. Voilà, en gros, ça fait ça par rapport à la scène qui est ici. Souvenez-vous, moi, j'ai déjà bien reproduit les îles ici. RER B là, et là en fait on va être à côté de la ligne J. Enfin c'est J ou c'est N? C'est J ou c'est L ça, je sais jamais. Je confonds toujours la J et la L. Eh bien elle est où, elle est où, elle est où? Elle est là, c'était la L, voilà. La ligne L qui va partir ici en fait. Donc on est sur un tracé comme ça. Grossièrement les gares, comme je vous ai dit, je vais faire celle-ci hein, Malakoff hein, qui est un nom de ville très très dégueu je trouve. Désolé à ceux qui y habitent. Malakoff, on va passer au-dessus de Clamart parce que vous allez voir que ça va être très très proche en fait sinon. Par contre on va faire Meudon et on va faire pas Bellevue, on va faire Sèvres à ce niveau-là. Voilà, on aura quelques gares comme ça, une sur deux quasiment, mais qui seront plutôt bien reproduits hein, par rapport à leur place géographique. Vous voyez qu'il y a aussi le train T2 qui passe ici, enfin le tram, et donc on va commencer à relier un peu tous les bouts de nos différentes lignes. Donc maintenant tout de suite sur Google Earth. Donc on connaît bien la ligne ici, hein, donc je vous fais le tracé à la main. Tac, 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 ici, là, on voit bien la ligne quand même de chemin de fer qu'il a. Donc la particularité en termes de dénivelé sur cette ligne-là, c'est qu'on a une énorme bosse ici, une sorte d'énorme montagne. Et en fait, tout ici aussi, ce sera très surélevé. En témoigne la rampe, attendez, je vais essayer de vous montrer. En témoigne la rampe, là on a une énorme, voilà, on a une grande montée. Alors si Google Earth va bien vouloir le faire. Alors d'ailleurs c'est chiant parce que des fois Google Earth il ne met pas de relief sur des zones comme ça. Donc là on a une grosse montée comme vous voyez qui va, tout ça c'est de la montée. Là ça monte, ça monte, là ça s'aplanit. Et en gros le point important qui va être sympa de faire et surtout de détailler plus tard, c'est voilà cet énorme pont qui passe au dessus du RER B. Donc là on a le RER B et là on a la ligne N. Donc franchement c'est vachement cool et puis ça rend vachement bien, on va pouvoir s'amuser. Mais vous voyez qu'on a une énorme dénivelé entre les deux hein, tout simplement. Et là on va rester à une grande hauteur. Ce qui fait qu'en fait j'ai l'impression que si on regarde par rapport au quai de Seine, on est sur quelque chose de très très haut. Alors j'arrive pas à regarder plus précisément. Mais là j'ai l'impression qu'on a une énorme montée en fait. Et que c'est pas tout plat. Et voilà, on témoigne ici aussi les grands renforts qu'on a là sur la ligne avec les arbres autour. La ligne est toujours surélevée en fait. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir bien reproduire ça et on se retrouve tout de suite en jeu. Vous voyez qu'il y a donc du travail à faire sur le jeu, on va partir tout de suite sur un timelapse. Déjà je vais essayer de prolonger la 86, de mettre les bonnes hauteurs de niveau, c'est ça qui va être le plus compliqué ici, c'est d'avoir la bonne hauteur par rapport à la géographie de la vraie banlieue, c'est-à-dire avoir un bon dénivelé. Dans le jeu ça va être assez complexe à faire, on va pas essayer d'aller trop haut non plus, mais faire quelque chose d'assez sympatoche quand même. On fera la rampe ici, la gare là, et ici la bifurcation avec l'autre voie, hein, je crois que c'est la N ou c'est une autre ligne de transilien qui part dans l'autre sens. Donc c'est parti!
Alors voici ce que j'ai fait en assez peu de temps finalement, ça m'a pas pris trop de temps de faire ces lignes là. Donc déjà là, ça c'était hors timelapse, hein, je l'ai fait au début parce que bon, un petit peu complexe à réaliser tout de même. Donc on a les deux lignes en fait qui vont l'une passer au-dessus de l'autre. Et voilà, il y avait à quand même avoir une jonction ici quand même. Voilà, je vais peut-être rajouter des voies qui partent un peu dans tous les sens pour faire un petit peu plus réaliste. Mais sinon l'idée est là. La première gare ici de Sakharov, là je sais plus comment s'appelle la ville. Un nom dégueu, désolé. Voilà, avec trois quais. Bon, là, on va faire peut-être que c'est un terminus ou je sais pas, on verra. Mais ça m'étonnerait que ce soit un terminus ici, mais on va faire partir la ligne plus loin. Ensuite, la grande rampe dont je vous avais parlé, qui est finalement un peu douce, hein, ça va, franchement, elle passe. Ici, on a le niveau global qui va être le niveau le plus élevé, qui est quand même vachement haut par rapport à la scène. Regardez, c'est quand même assez haut. Et donc ce magnifique pont, paf, qui va passer là pour arriver jusqu'à la gare. Et ici on aura la voie du RERB que je ferai plus tard. Donc ça je pense que cette partie là est vraiment intéressante à faire pour un autre épisode. Certainement consacré vraiment à toute la zone ici. Donc on a la gare ici qui est vraiment... Franchement ça rend vraiment bien je trouve, c'est vachement sympa. En plus on a une belle vue sur la banlieue de Paris là avec la... Enfin vraiment, je trouve que ça commence à devenir vraiment joli. Tout ce qui est le paysage en fait. Donc là, on descend progressivement pour arriver sur un niveau un petit peu moins élevé et arriver sur une autre gare ici. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment ce dénivelé, voilà, avec des bâtiments qui seront à cette hauteur, un petit peu plus haut peut-être, mais d'avoir un beau dénivelé et d'avoir au-dessus, en fait, d'avoir au-dessus un niveau élevé et en bas un niveau moins élevé pour vraiment faire le côté que les rails sont sur le penchant de la montagne. Et voilà, on arrivera ici avec cette coulée, en fait, cette sorte de vallée que je vais essayer de prononcer un peu plus. Entre les rails du N et les rails du J, voilà, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Parce que je crois qu'ici, dans ce niveau-là, on a vraiment ce côté de vallée. Donc j'espère que ça vous plaît, le dessin de la ligne vous plaît. Voilà, j'ai fait quelque chose comme ça. Bon, en termes de courbe, on est sur quelque chose de très abrupt. Hein, vous vous en doutez bien que là, on doit être sur du 60-70. Et là, là, le pire, c'est voilà, du 60 aussi. Hein. Bon, c'est pas... Bah on peut regarder, d'ailleurs, je crois que c'est... Pour regarder la vitesse, on est sur ça, non? On est sur ça. On est sur ça, plutôt. Oula, voilà, 52, 46, ouais, voilà. Bon, en fait, ouais, bon, vous savez très bien que les courbes hein, dans mon pari sont pas réalistes, 63. Mais parce que, tout simplement, il faut que je les réalise en fonction de la réalité. Et dans la réalité, ça tourne franchement pas mal. Mais bon, je suis pas à la même échelle, donc vous voyez bien que c'est différent. Bref, eh bien, je pense qu'on a le temps de travailler un petit peu sur la partie juste ici. Hein, donc, faire à détailler avec les bâtiments. J'ai regardé un peu sur Google Earth et on est sur quelque chose d'assez basse densité à ce niveau-là. Et du haut de densité tout autour. Il y a un stade qu'on fera certainement. On en parlera à la fin certainement de tout ça. Mais voilà, pour l'heure, eh bien, on va détailler tout ça. C'est parti. Thank you.
Et voici le résultat de la première partie que j'ai faite sur cette banlieue sud. Comme je vous avais dit, j'ai fait une toute petite partie parce que dans cet épisode, comme vous l'avez vu, on a surtout créé la ligne en elle-même et les rails. Donc on a un peu fait la partie que je considère la plus dure, qui est celle de la visualisation de la ligne et surtout du rapport à l'échelle par rapport à l'échelle que j'ai dans le jeu et l'échelle qui est dans la vraie vie. Donc il a fallu skipper des moments, bien évidemment. Et donc voilà. Pour ce qui est de la partie là, en fait, on est comme d'habitude sur une progression de plus en plus forte entre le stylos manien qui s'affaiblit et qui disparaît vers des bâtiments plus hauts, des bâtiments plus modernes. Ici, on a des bâtiments de faible densité, un petit peu parce que c'est ce qu'il y a dans la vraie vie aussi à ce niveau-là. Normalement, on avait un stade ici, je vais peut-être en mettre un ici. Si je regarde la taille du stade, si j'arrive à le retrouver, le stade, il va être quelque part par ici. Non, ça c'est la station. Ouais, non, le stade, je vais pas réussir à le retrouver, mais il y a un stade qui permet de... Ah si, il est là. Voilà. Bon, il est quand même énorme. il est quand même énorme, mais je pense que j'ai envie de le mettre ici. Parce qu'il y a un stade... Pas un stade, pardon. En fait, c'est plus une sorte de petit terrain de football, vous voyez. Mais j'ai envie d'en mettre un parce que c'est vrai que j'en avais mis un sur la banlieue nord. Et ici, ça serait intéressant d'en mettre un. Donc, je le mettrai là, le prochain épisode. Sinon, j'aime bien aussi ce côté des rails qui passent juste un petit peu au-dessus des bâtiments. Donc, ils sont un peu surélevés. Et voilà, on a ce côté avec quelques arbres. Et en gros, les véhicules, ils sont là, sous les rails. Et ensuite, ils passent sous les rails. Et puis là, les rails, comme vous l'avez vu, hein, ils se dispersent en deux. Et donc, avec les bâtiments, ça rend vachement bien. Donc là, va falloir finir un peu tout ça quand même. Faut terminer le travail. Donc en fait, le problème, c'est que regardez, quand j'aplatis toutes les zones, vu qu'on est au niveau 0 de la terre, eh bien, il y a de l'eau qui apparaît. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais bon, typiquement ici, j'ai envie de mettre un petit peu d'arbres. Donc on va pas se gêner là-dessus. On va faire un petit peu, voilà. On va placer des arbres pour masquer aussi le côté de la pente qui est quand même assez raide à ce niveau-là. Regardez, si on regarde bien, on est quand même sur une énorme pente. Mais voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le principe de rattaquer un petit peu sur la banlieue sud, alors attendez, je me mets dans le bon sens, voilà, le principe de rattaquer sur la banlieue sud et donc de rattaquer sur la ligne N, prochainement aussi la ligne de tram T2 et ensuite enfin la ligne ici, la J ou la L, je sais plus, hein, je confonds toujours, bref, d'attaquer sur des lignes de Transilien, ça vous plaise, et comme ça j'espère qu'on va pouvoir en quelques épisodes faire toute cette zone là de la banlieue, qui est surélevée et qui est vachement intéressante à faire, je pense. Sur ce, donnez-moi des idées de vidéos à faire, enfin des idées de bâtiments à faire dans Transport Fever 2, dans la ville de Paris, des lignes de transport. Il y aura le RERB qui va arriver prochainement aussi, bien sûr, avec les livrées et avec les trains associés qui vont bientôt sortir. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Salut !